Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, nous avons travaillé plus près de 7 heures. Bah dites donc. C'est dire... Ah ouais, c'est bluffant. 7 heures quand même. Allons droit au but, on déconfine quand? Le 8 décembre. Attends, j'ai pas bien entendu, tu as dit le quoi? Le 8 décembre. Ah oui, j'ai bien entendu. Non, il a voulu dire le 8 mai. En même temps, après 7 heures de boulot, coucou! Ah oui, il est déboussolé, il a pas l'habitude. On peut pas être sourd non plus à la demande de perspective. Exactement. Et ces demandes de perspective, on l'a écouté, on l'a bien entendu. Ouais, on ouvre tout. On peut voir la famille, les amis, aller au restaurant, aller dans des bars, danser sur le bar, partouzer. Si toutes les parties sont consentantes, bien évidemment. La vie, quoi! C'est ça? À partir du 8 mai, inviter deux personnes. Merci, mon bon seigneur, merci! Ah ouais, non. Suite à cette décision, Jean-Marc Nollet aurait déclaré: du coup, rien ne change, en fait. Dans le secteur culturel, événementiel et sportif, le commissariat Corona s'attellera dans les semaines et les jours à venir à élaborer un plan d'action. Je ne peux pas entendre des conneries pareilles! Non, ça sert à rien de s'énerver. Bah, attends, faut le comprendre aussi. Vous êtes là, oui, on vous donne des perspectives, alors que pas du tout. Vous nous dites, bientôt, on va vous donner des perspectives. Sauf que là, ça fait un an. Au bout d'un moment... Merde à la fin! Exactement, merde à la fin! Quand je vous entends maintenant, je suis à ça d'avoir envie de vous bifler. Et encore, ce serait pas respectueux envers ma teub. C'est peut-être ça... L'élément final. Non, l'élément final, c'est que peu importe la date que vous allez choisir pour l'Eureka, le jour où vous irez dans un restaurant, c'est fort probable que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a de fortes chances que le serveur, ce soit un comédien? Prenez tous votre responsabilité. Allez, bonne pandémie!